surveillant les incendies, c'est cela. Hein. Oui, ils surveillent les massifs. Voilà, ils surveillent tous les massifs, ils passent un mois de leurs vacances, de leur retraite, deux. Fin septembre. Voilà. Actuellement, on est en rouge. Demain, on est en noir. Ça le risque est le plus haut. D'accord. C'est pour ça que c'est fermé, là, les abords des collines. Voilà. D'accord. Les massifs sont interdits. Bon, mais donc il y a des pompiers capturés pour une petite vidéo sur Saint-Mandrier et votre action pendant l'été. Hein. Voilà, je vous remercie. Merci. Au revoir. Bon courage. Voilà. Suivre là. Je vais suivre la patrouille là. Donc tu vas pas les récupérer? Non, pas pour l'instant. Ok. Bon. Vous allez où? Tentative. Bonjour messieurs. Bonjour. Voilà, je fais une petite vidéo sur le CCFF. Donc, au fur et à mesure, je rencontre des patrouilles différentes. On va faire un petit montage et puis après, on le soumettra au président. Voilà, donc vous êtes monsieur Jean de l'Estradie. Voilà, Pierre Laurent. Et monsieur Toubeau. Voilà, donc en fait, c'est lors de la cérémonie du 14 juillet que j'ai rencontré monsieur Léouf. Il m'a dit pourquoi vous ne feriez pas une petite vidéo sur notre activité là. Voilà, donc j'ai dit écoutez, on verra ça quoi. Bon, je vous laisse continuer votre patrouille. Merci. Je vous en prie. Bon courage à vous, monsieur. Il y a des panneaux comme ça. Ah oui. Il y a des rubalis, les gens nous disent qu'ils n'ont pas vu. On les trouve dans le massif, c'est fermé, on les trouve. Voilà, donc grâce à ces messieurs en orange, ces braves dames peuvent encore venir en toute tranquillité prendre un peu d'air frais au bord de la mer. La presqu'île de Saint-Mandrier et Saint-Asile.
Voilà, merci beaucoup mesdames, merci et bon monsieur. Après-midi. Merci beaucoup monsieur. Merci à vous. Merci. De rien. Au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Papito, comment voilà, il va? Voilà, très bien. Et ça toi bien? Ça va? Bah, écoute, ouais, voilà. Ça va. Bon, alors j'ai vu le président, n'est-ce oui, pas? Oui. Hein, donc je l'ai fait une courte vidéo avec lui. Et il t'a dit qu'on collègue. Était actuellement 38. Voilà, disons que c'est en zone et qu'on aimerait noire. Bien avoir d'autres bénévoles. Ah ouais, 38 parce seulement, que 38, d'accord. 38, ouais. Oui, parce qu'il faut savoir que des jours comme aujourd'hui, qui ouais. sont noirs. Oui. On a besoin d'environ 18 personnes par jour. Ah oui. Ouais. Donc ça fait beaucoup. Quoi. Ouais. Voilà, parce et là que vous tournez de quelle heure à quelle heure de, en journée noire de 13h à 22h. 13h, 22h. Voilà. Voilà. C'est le préfet journée. Qui décide donc ouais, de la couleur. Il y a ouais. jaune ou le risque. Jaune, orange, rouge et noir. Il y a le bleu mais c'est la mer. Et le rouge et le noir, c'est, depuis le 1er janvier, c'est exactement ouais. pareil. C'est-à-dire que c'est interdit ouais. aux piétons, aux cyclistes, aux voitures, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Voilà. Motopompe oui. avec un réservoir de 400 litres. Ah ouais d'accord, donc voilà. On peut déjà commencer à intervenir. Normalement on intervient que sur des feux naissants, et pas dans les ouais, feux de oui, forêt. D'accord. Uniquement les poubelles qui peuvent voilà. éventuellement j'ai brûler. Vu que enfin, vous aidez les pompiers à se diriger et dans la colline. On aide plutôt les pompiers à se diriger. Ciao. Changement de chauffeur. Ouais, changement de chauffeur. Alors là. Voilà notre motopompe. Ouais. Et la voiture, alors, c'était rien? Non, non, c'était non. rien. C'était rien. C'était arrêté, mais d'accord. donc il est reparti après. Donc, okay. Pas de problème. Voilà. Voilà. Là, on fait un essai de motopompe, voilà.
en fait d'urgence. Normalement, on m'a dit que c'était feuille toujours le fermé. Non, pas de soucis, il est ouvert. Mais on est paré. Si, parce que quand. Enfin bon. Bon, imagine, en tout cas. Imagine qu'on doit. Bon. Allez, écoutez. On prend un. On va venir plus. Allez, à la prochaine.